Hors de nos frontières, on parle de l'ouverture ce matin à Dakar, au Sénégal, de la 6e édition du Forum sur la paix et la sécurité. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement prennent part à ce sommet dans un contexte marqué par la poussée djihadiste. Signalons que cette rencontre se tient quelques jours seulement après celle de Paris en France sur la paix. Le récit de Janice Ndongaima. Le coup d'envoi de la 6e édition a été donné par l'hôte du forum, le président Macky Sall, en présence de son invité d'honneur, le nouveau président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. À leur côté, le premier ministre français Édouard Philippe. Cette édition enregistre la participation effective de plusieurs chefs d'État africains ainsi que des acteurs non étatiques incontournables dans le processus de construction de paix. Dans son discours inaugural, Macky Sall a déclaré « Chaque pays est une cible potentielle. Face aux menaces, la coopération entre les États ne se pose plus comme un devoir de solidarité, mais bien comme un impératif d'intérêt commun. » Ce qui nous permet de comprendre le sens du thème de la 6e édition du Forum sur la paix et la sécurité en Afrique, à savoir les défis du multilatéralisme. Multilatéralisme, oui, mais qui se veut une plateforme de propositions concrètes au-delà de simples discours des colloques internationaux. Le premier ministre français Édouard Philippe a d'ailleurs souligné dans son propos de circonstance qu'une partie de solution aux attaques djihadistes dans le Sahel va venir des partenaires européens, allusion faite ici.